Bonjour tout le monde, c'est Néo, notre maître. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo, que j'ai réalisé quelque chose. Alors, je sais pas si vous avez marqué quelque chose sur Dome Zero, me regardez pas, c'est pas ce que je vous montrer, non. Non, c'est, je viens de mettre quelque chose là, en plus que je viens de sélectionner sur Dome Manager, Arch Linux. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y est pas par défaut dans KubeZS. Il n'y est absolument pas. Il y a juste Fedora, hein, bien sûr, qui est basé sur KubeZS, sur Fedora. Et Debian 10, sur Cube 4, sur KubeOS 4. Là, j'ai installé Arch Linux. Et pour Arch Linux, c'est le parcours du combattant. Il faut suivre la documentation. Cette page, je vais dans la description. Afin d'installer Arch Linux dans KubeOS. Et j'espère que ça va parce que je n'ai pas encore fait fonctionner. Alors, pour l'occasion, bon, il est à jour de toute façon. Hein, de toute façon, voilà. Je vais mettre. J'ai cloné quand même par prudence. Déjà, je vais virer. J'ai commencé par. Attends, bon. Je vais déjà mettre. Attendez, je vais mettre déjà. Voilà, OTXFCE. Le terminal, nom de Dieu, il est où? Voilà, terminal émulateur, le voilà. A priori, c'est. Je démarre Arch Linux sur KubeOS. Juste ça, voilà. Allons-y voir. Si ça marche, non, ça marche à savoir, ça normalement, voilà. Et voilà, travail. Voilà, c'est clair. Il est démarré. J'ai l'interface graphique, c'est XFCE leur date. Youhou! Punaise, c'est le parcours du combattant! Wouh! Bon, je peux l'arrêter maintenant, voilà. Je vais l'arrêter tout de suite. Hein. Ça, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Pour installer le logiciel, vous ne pouvez pas le faire directement dans Arch Linux. Hein, et ça, pour mettre à jour. Vous, comme soit les templates par défaut, vous clonez comme ceci. Voilà, je vais mettre pour occasion clone. Voilà, je mets sick. Voilà, c'était mon simple pseudo. Voilà, pour info. Voilà, ensuite. Historique. Voilà. Ensuite, vous pouvez verser ce que vous voulez. Alors, je répète, hein, pour avoir Linux sur KubeOS, il faut suivre toute la doc. Ça marche. Avant, je ne vais pas le faire parce que pendant la période que j'ai fait les vidéos, ça ne marchait pas. Il y a un problème entre CubeGee, voilà, CubeGee agent et Pulse Audio. Problème de voilà. Donc je vais pas trop dire. Allez vous renseigner, dans aussi mettre la liste dans la description, mais ça parfaitement. Alors c'est la campe pour installer. Vous le connaissez très bien. C'est Pac-Man. Moi grand S. Image Magic, par exemple. Hein, par exemple. Hein, voilà, par exemple. Ah, j'ai oublié sudo, pardon. Je ne suis pas non plus sur en route, enfin au CH route là, je suis en ce que je laisse. Hop. Et voilà. Et là, converte. Et voilà. Display. Ben voilà. Bon, bien sûr, attendez, ça sert vraiment à baser sur un PubVM, bien sûr. Pour info, donc inutile de faire vos activités ici. Hein. Voilà, voilà, c'était tout. C'était un autre maître. Merci d'avoir suivi la bonne nouvelle sur Arch Linux, enfin sur KubeOS, qui marche très bien maintenant. Enfin voilà, qui marche à volontiers. Voilà. Merci de suivre. Je vous mets tout dans la description. Au revoir à la prochaine. Au revoir.